Alors. Ah ouais, mais eux, ils étaient bloqués, en fait. Ah, elle va débloquer. Laissez-moi m'en charger. Si je frappe un rocher dans le monde des rêves, il devrait sombrer dans la faille dimensionnelle, même s'il s'agit d'adamantine. Restez où vous êtes, c'est une manœuvre dangereuse. Tellement fort, cette meuf. La vieillesse n'arrange rien. Dépêchons-nous. L'invincible, un aéronef gigantesque, devrait se trouver à l'intérieur. Faut qu'on pexe un peu, les gars. 900 de dégâts! Wesh. Quoi? Il s'est TP ailleurs. C'est quoi ce mob de fou? What? Mais il se multiplie les mecs là, c'est quoi ça? Non, non, arrêtez, on fuit les mecs. On peut pas les battre, ils se multiplient les mecs. Oubliez, 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 oubliez. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit! Fuyez! Oh, tout le monde est cané, putain. Et c'est quoi ça? Armure miroir. Putain, premier combat, je tombe sur des mobs, ils se multiplient les frères, c'est quoi? C'est trop grave. Ce mob de Golemon, là, encore. Putain, je suis obligé d'aller me heal. Ah. Laisse-moi passer! Je sais plus où est-ce qu'on peut se heal ici, les gars. La ville, elle est tellement grande. Bah, c'est pas là. Attends, il n'y a pas du stuff pour moi. Parce que maintenant, oui, les magasins, ils sont tous ouverts. Et tout à l'heure, je les ai pas faits. Ah ouais, il y a du stuff, putain. Il y a du stuff, mais j'ai plus d'oseille. Faudra qu'on revienne là. En vrai, faudra qu'on revienne ce stuff avant la fin du jeu. Allez, pousse-toi! Mais le mec se met sur ma route! Je deviens fou! Auberge. Ah, mais tiens. Auberge, oui, mais il n'y a rien pour me revive. Eh oui. Eh oui, l'erreur, elle est là. L'erreur est humaine, hein. Quelle merde! Non, mais le mieux, c'est d'aller chez Doga. Hein. Aller chez Doghouse. Sur l'île du milieu. Putain, ils m'ont déchiré. C'est quoi ces mobs de con? Oh, c'est tellement dur. Putain. Je veux bien que les mobs ils tapent fort, ils tuent, mais qu'ils se multiplient, franchement, je trouve ça quand même moyen. C'est comme le boss final d'FF2, quoi. Franchement. Faire des trucs comme ça, bon. Et c'est reparti! Moi je veux bien XP, mais bon, si c'est pour se manger des mobs comme ça. D'un moment, bon. Voilà quoi. Oh putain, ici y a. Pousta. Super potion. Le problème, c'est que j'ai plus de tal.
putain, l'âme sanguine 28 000. Ouais, mais c'est ça qu'il me faut. Je vais casser des culs avec ça. Ah, il me faut 28 000. 48 000. Ah, il me faut 100 000, là. Il me faut 100 000 balles. Il me faut 100 000 balles. Bon. Bah, bonne chance, hein. Faut juste pas que je tombe sur les mobs antisémites. Juste pas que je tombe sur les mobs antisémites. Azrael. En parlant d'antisémitisme. Calme-toi. Calme-toi. Alors. Yeah, mais calme-toi. Supra-soin, extra-soin. Ah, soin. Pour moi, c'est forcément. Ah là 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 là. Ce genre de blague. En stream. Putain, mais. On se fait canner là. Je crois qu'on n'a pas le niveau pour ici. En fait, on fait mal, mais on prend trop cher. Parce que ouais, on tape à 800. Hein. Mais il se multiplie aussi. Mais attends, mais comment ça, tous les mobs de ce donjon, ils se multiplient? Bah, je crois qu'on va farmer à l'extérieur et... Je crois qu'on va farmer à l'extérieur. On va farmer à l'extérieur et ici on va désactiver les combats. Ça sert à rien. On va farmer à l'extérieur pour ce stuff. On va farmer les mecs. Là il y a trop de stuff intéressant à récup. Donc bonne chance. Alors, saut, invocation, colosse, magie, soin, magie, extra food. Faut voir combien ça donne d'XP ici. Ils ont pas l'air de taper très fort, donc en vrai... 1006 d'XP. Je sais pas trop. On va voir ici. Mieux. Faut qu'on se fasse un max de blé. On va stream jusqu'à 22h les mecs, un truc comme ça. Je pense que c'est pas mal.
Et il a plus de. Il a plus de mana sur. Sur son attaque. Les deux ils en ont plus. Mais je pense qu'on peut le finir comme ça. Voilà. 1008. On va changer le setup d'attaque. Alors. Putain, l'autre il est encore. Braise. C'était quoi déjà? Pétrification. Et ici on va faire... Putain mais il me pétrifie! Je suis pétrifié de peur! C'est con là. Parfait. Alors, saut, invocation, braise, magie, soin, magie, foudre. Nickel. Combattant expérimenté. Vous avez éliminé 300 monstres. C'est pas mal. Après, si je peux plutôt taper que de nous heal, Ifrit ou je sais pas qui, bon. La meilleure défense, c'est l'attaque, mon pote. Tu peux prendre 8 buts, si t'en marques 9, t'as gagné. Alors, saut, invocation... Braise, magie, soin, magie, feu. Basique. Ouais. Tout prix nous heal. Tape, non? ...2004 d'XP. Ça level up. On est bien. On a combien de thunes? On a 14 000. Un item, c'était 20 000, je crois. Waouh. Il nous faut tellement d'argent, les gars. Mais après, on va être trop bien. Ça va nous mettre, mais tellement Gucci. Il veut pas sauter? Merci.
2000 d'XP. Je vais pas me mettre en XP x5 ou je sais pas combien là. Mais bon, la fonction existe quoi. Je pense que cette feature, je l'activerai que si je galère sur le boss final et que j'ai besoin d'XP. Parce que c'est le boss final et que... il n'y a plus rien après quoi. Là, si je le fais maintenant, je trouve que ça biaise un peu le endgame quoi. Après, l'activer pour si t'arrives pas à battre le boss final et juste pour le battre, ça me choque pas. Ah là 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 là, oui, ben oui, bateau à main nue, bien sûr, bien sûr. 2003. C'est pas mal. Shiva. L'invoque de glace, je crois que c'est Shiva, non? Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus de mon FF8. Je crois que c'était... Je crois que c'est Shiva. C'est tellement longtemps. Ça fait 20 ans. La dernière fois que j'ai joué à... FF8, c'était... Ben non, même plus, c'était en 2002. C'était en 2002. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Shiva, c'est bien la glace. Incroyable. Il y avait Ondine. Shiva. Il y avait le vent et la foudre, je me rappelle plus. Et il y avait Ifrit. C'était comment déjà leur nom? Si tu l'as. Garuda. Mais je crois que dans FF8 c'est pas Garuda. Je crois pas que ce soit Garuda. Tiamat dans les premiers, ouais. Je sais pas dans FF8. Check les invoques d'FF8 si tu peux. Je serais bien curieux de me rappeler des noms. Garuda? Je me rappelle pas que c'était Garuda. Non, c'était pas Ramu non plus. Je me rappelle leur tête. Je me rappelle la cinématique qu'à l'époque je trouvais. Mais genre photoréaliste. Alors je l'ai revu sur YouTube il y a 2 ans. Je trouvais ça hideux, immonde. Alors qu'à l'époque je trouvais ça photoréaliste. Qui est assez drôle. J'ai pas leurs éléments. J'ai mieux heal. C'est là-bas. FF8.
Golgotha. Shiva. Ifrit. Ondine. Nosferatu. Phoenix. Boko. Mimog, Mumba, Horus, Ahuri, Léviathan, Zephyr, Bahamut, ah mais ça m'étonne que ce soit Bahamut. Que je vois la gueule qu'il a. Putain, mais pourquoi ça fait ça, frère? Attends. Regardez sur YouTube vite fait. Je sais pas écrire Sion. FF8. FF8 invocation. Attends, c'est qui ça? Golgotha. À l'époque, là, ces cutscenes-là, là, c'était photoréaliste dans ma tête. Ah, je me rappelle de ça, là. Ok, c'était Golgotha. Pour moi, c'était photoréaliste, genre. C'est incroyable. Ça me fait pareil avec les 10. Là c'est Shiva, je me rappelle. Mon jean. J'étais amoureux, je me rappelle, j'étais amoureux d'elle. J'étais amoureux d'elle. Elle a des arguments pour. Hein. C'était photoréaliste, je vous le dis. Ifrit, il était incroyable. Quand il se tord en deux pour envoyer la boule de feu, regardez-moi ça. C'était trop bien fait. Bam! Et là, il l'envoie. Mais à l'époque, c'était magnifique. Hein. Vous réalisez pas. Hein. À l'époque, c'était magnifique. Ondine. Ah, Ondine, elle a envoyé une big vague. Ah ouais. Regardez-moi ça, Ondine. La sirène. Ah mais comment ça a mal vieilli? Dans mes souvenirs, ça ressemble tellement pas à ça. C'est terrible. Au milieu de l'océan, sur son rocher, telles les sirènes qui noient les navires. Ah c'est terrible, la nostalgie commence à te... T'as une image d'un truc qui n'est tellement pas réel. C'est terrible. Et les sirènes au milieu de l'océan avec les rochers. Bah oui, tu sais, celle qui appelle les... T'sais, les sirènes qui appellent les... Qui chantent, là. Les sirènes qui chantent. Ouais. Qui arrivent à attraper les marins. Ouais, c'est ça. Quoi? Ah merde, je peux pas passer, je suis obligé de... Putain, je suis trop con, il y a le bateau. Exactement. Je suis parti sans le bateau, je me suis fait repousser par un champ magnétique. En fait, c'était peut-être là le champ magnétique tout à l'heure. Non, c'était pas là. Franchement, j'en arrive à la conclusion que j'ai dû rêver.
Y'a des mobs ici. Et puis c'est même pas là que je dois aller, je suis trop con. C'était quoi ici? Nautilus. Attends, là c'était là. Et merde. Saut, grand glaçon, feu. Saut. Colosse. Grand. Non. Soin. Extra fait. Balle. Ouais, c'était là. Faut que je heal. Bon, au moins, il y a des combats juste devant. Moi, je suis désolé de vous imposer une session XP, mais... Le truc, c'est qu'il y a du stuff de fou, quoi. Le problème, c'est que même comme ça, je peux même pas l'acheter. Donc, je pense que je vais pas l'acheter en entier. Je vais prendre juste le meilleur. Mais en fait, il me faudrait genre peut-être 40 000. Ça serait le minimum. Et là, j'ai à peine 20 000, je crois. Ah non, j'ai 30 000. Bon, ça va en vrai. Putain, mais eux, ils sont trop forts, frère. Attaque même pas! Tue-le. Ouais. Ah, je vais pas me revive, hein. C'est bon, je vais utiliser une queue de rat là et c'est bon. Ah ouais, mais je chope 5000 par combat, hein. En vrai, ça peut aller très vite, hein. Maria a des lunettes de soleil. Tac, 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 c'est cité. Attends, 5000 et j'ai que 32000. Tout à l'heure, j'avais 30000. Non, c'était 5000 d'XP. J'ai mal vu. C'est pas possible. Il me semblait que j'avais 30000. Attends, là, j'ai 32000. Je prends 1008 et c'est 5000 d'XP. Ok, là je suis à 33000. On va monter à 40000, comme ça on va acheter juste deux items. Et on va essayer d'avancer, tant pis. Hein. Le truc c'est qu'il me faudrait au moins 120000 pour acheter tout le stuff, donc laisse tomber. Flemme de me mettre en x4 sur l'XP. C'est pas lui qui veut soigner. Ah là, j'ai pris 3K. Et des fois, je prends 5 d'XP. Des fois, je prends 3. Putain, eux, ils font trop mal, les putains de buffs. Kato Blepa.
pas savoir pourquoi il s'appelle comme ça. On est à 36 000. On va vite fait craquer des potions. Hop. Et on rush les 40 000 de thunes. Alors, saut. Invocation, braise, magie. On va jouer extra soin. Magie. On va jouer méga glace. Ça devrait aller plus vite. Putain, Coco qui s'est fait offrir un abonnement à Squeezie par Gotaga. Pas mal la coque. C'est quelqu'un celle-ci. C'est pas mal. Ah c'est quelqu'un j'avoue. J'ai vu qu'on m'avait offert un abonnement chez Matteo et chez Aré. Après, Aré veut que j'aille dormir, mais... Ah, c'est après, ça. Plus tard. Sinon, streamer connu. On m'a offert déjà Pefu, Tekameto. Et je crois que c'est tout. Mais c'était pas des streamers qui m'ont offert elle, c'est carrément un streamer qui lui offre un abonnement à un autre streamer. C'est Monsieur Gotaga, s'il vous plaît, qui lui a offert un abonnement. Ça, faut le faire. Elle était tellement quelqu'un. Elle a les 6 modes, du coup. putain, celle-là, quoi. Bon, j'espère qu'on a assez d'argent là, qu'on avance un peu, parce que là, ça avance plus là. Bah. 42 000, allez. Allons-y. Montre toutes les emotes. Alors, on va se soigner. Il faut juste que je branche ça, les gars. 2 secondes. Aïe. Attendez. La musique, là, oui. Chante. Chante. Ouah, toutes les... Ah ouais, elle a tout envoyé. Et on les emotes. Eh. Putain, elle a envoyé une emote émute dans mon chat. Bannez-moi ça. Gentlemen. Il y a des emotes de Gotaga, Loki, Mikalu, Boag. Il y a des emotes de Gotaga. Ah, il y a des emotes de M8. J'ai envie de m'ouvrir les veines. What's the color blue? Ici, c'est la K-Corp.
D'ailleurs, on les a battus hier en finale de Rocket League. Et ça, ça fait plaisir. Je vous le dis. Du coup, 42 000. On va pouvoir s'acheter... Alors, faut qu'on fasse gaffe. On peut acheter la lame sanguine qui a 95 d'attaque. GG. Ok. Mais je sais pas si c'est ce dont on aurait besoin. Attends, parce que là, actuellement, on est à combien? On est à 53. Et là, on passera à 90. Putain, mon chat, il s'est déco. Ah, c'est bon. Et là, on aurait... On aurait la robe blanche. Le bracelet. Putain. Ça marche. Merci en tout cas. Ça fait plaisir. Passe une bonne soirée. Et peut-être à demain. Qui sait ? Je pense qu'on va prendre une épée. Yes. On va revendre. Sanguine, j'ose plus la vendre. J'ose plus la vendre à cause du boss final de FF2. Waouh, j'ai tellement revendu. J'ai 100 000. J'ai tellement revendu que je me suis fait 100 000. Je peux tout m'acheter, les gars, c'est bon. Je peux tout m'acheter. Sanguine, on la vend pas. On a combien? 19 000. Bah voilà, on est full stuff, on a réussi. On a réussi. Allez, on avance. Bandeau chakra. Ça peut être pour le ninja, ça. Tenue de ceinture noire, ouais. Ça, c'est du stuff pour le ninja. Flash runique.
L'invincible. On y est. On y est, les gars. Putain, il y a des distributeurs. Exceptionnel comme article. Méga soin, guérison. Ah, un miroir, ça peut être pas mal. Séisme, méga pierre, absorbe les PV. Je peux en acheter qu'un. Miroir. Crée autour de la cible un champ de force magique qui réfléchit les sorts. Guérison. Je pense qu'on va prendre miroir, non? Méga soin. Un méga soin, on l'a pas. Hein. Ah! Méga soin, guérison ou miroir? Putain, même séisme, c'est carré. En vrai, il m'en faudrait plus. On va prendre méga soin. On va prendre miroir, en vrai. Mais il va nous en falloir plus. De toute façon, c'est notre bateau. Donc ça veut dire que à tout moment on peut l'acheter quoi. Parce que là on est chez nous là. On peut même pioncer. On peut même invoquer le chocobo. En route, prenez la barre. Le gigabateau. Dont parlait répliquant. Écoutez-moi bien, vous pouvez retourner à la surface en empruntant l'échelle. Lorsque vous voulez monter à bord, il suffit de vous tenir sous l'aéronef et d'appuyer sur valider. Vous pouvez aussi appuyer sur valider lorsque vous êtes devant une montagne en cours de vol pour accélérer et permettre à l'aéronef de passer au-dessus de certaines montagnes. Pour atterrir, on n'avait qu'à appuyer sur annuler. Suivez-moi. Ces machines permettent d'acheter toutes sortes de choses. Dans la pièce du milieu, j'ai lancé un sort pour que vous puissiez faire appel au gros chocobo. Oh, fais chier. Doga m'appelle. Oh, vous partez déjà? Oui, vous devrez vous charger du reste. Allez d'abord trouver le croc de la terre dans la caverne des ombres, au nord d'Amur. Revenez ensuite au manoir Doga. Doga et moi devons vous donner quelque chose. Amur. Et ensuite Doga. Okay, je peux passer les montagnes comme ça. Ah mais je peux passer que les petits Amur. C'est là-bas. Non. Ici. Putain! Ben
attends, mais je peux pas passer. Quel bail. C'est quoi ce flop, ce véhicule, frère? Je suis censé aller là, non? Au sud de Hamur. T'es au sud ou au nord? Au sud. Quand j'ai relancé la partie, j'étais vers ici. Ouais, mais là, en fait, j'arrive pas à y aller. En fait, je suis censé aller à Hamur, mais je peux pas passer par là avec ce... avec ce véhicule. Je me fais bloquer par le vent. Attends, mais c'est un truc de zinzin. Pourtant, Hamur, c'est bien là. Ah non, Hamur, c'est là-bas. Oh là là, la fatigue est en train de me baiser. Putain. La fatigue est en train de me baiser. Putain, c'est pas là, en fait. C'est ici. Alors attends, parce que là je vais à Hamur, mais c'est pas Hamur, c'est au sud ou au nord, je sais plus. Attends. Au sud. Je sais plus si elle a dit au sud ou au nord. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Attendez, je regarde juste l'info. Si j'arrive à trouver l'info, si c'est au nord ou au sud. Parce que je me rappelle plus. Je sais plus ce qu'elle a dit. Ça, on l'a fait. Au nord. C'est au nord d'Hamur. Tu peux te faire attaquer quand t'es avec ton vaisseau et l'aéronef. Les attaques de soutien, c'est stylé. Ah ouais? Putain, faudra que je teste. Voilà. Censé avoir une grotte ou je sais pas quoi. Attends, mais je peux peut-être passer genre avec ça en fait. Et oui, c'est ça. La manip, le gameplay, c'est un peu aux fraises. Hein. C'est ça, c'est vite dit. Hein. Putain, vous pouvez pas passer sur les... Vous pouvez pas passer normalement. C'est de la grosse merde.
franchir. Je ne peux pas franchir en fait. C'est de la grosse merde. Et j'arrive pas à aller à droite en fait. Il fait l'anime de monter en fait. Il fait toujours l'anime de monter, il veut pas aller à droite. Là il va en bas, ok. Là il va en bas. Là il va en bas. En fait il fait l'anime de... Ok. Il fait l'anime qui va en haut mais en fait il... Il va quand même à droite. C'est juste l'anime qui est flingué. Ok. Ah c'était juste moi qui avais pas la bonne route je pense. Allez. Non. Eh ben, c'est laborieux, hein. Malheureusement, on peut pas acheter les autres sorts, là. C'est un peu chiant, mais... Je suis venu ici depuis... Falgabar pour m'entraîner. On peut pas éliminer les monstres de cette grotte avec des armes normales. Ils ne font que se diviser, se multiplier. Ouais, bah on va désactiver les combats, mon ref. Hein? Ça va? Ma maîtrise de l'art de la lame obscure était encore insuffisante. C'est le destin qui m'a fait vous rencontrer. Kotetsu! Oh! Incroyable. À mon avis, ça va pas me servir, mais bon. Il y avait un coffre en haut. Baiser de Lilith. Mais c'est quoi tous ces tunnels secrets, les refs? Pourquoi vous faites ça? Ils sont tapés un délire, là, sur celui-là? C'est quoi ce bordel? C'est sérieux là ce qui se passe? Ah mais wesh. Ils sont tapés un délire les mecs. Du stuff pour les ninjas, ouais, de ouf. À toutes. Le croc de la terre.
qui ose briser le sceau immémorial. Une ombre obscure vous attaque. J'ai même pas save avant, comme un golemon. Sceau. Invocation. Colosse. Magie. Extra soin. Magie. Méga glace. Quoi? What the fuck? Et si je refais cette attaque, il me baise. Hein. Pas 1003. Oh là 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 là. Oh, 3 PV. Non. Putain, les AOE, c'est terrible. Non, mais attends, comment ça 690 alors que d'habitude le séisme ça faisait pas autant. Eh, va te faire foutre, putain. C'est trop grave ce genre de mob à la con. Je vais save juste avant. Les gars, je crois que... Je crois qu'on va re-glitch, hein. On va tenter. Un. Ouais. C'est pas le glitch. Ça a glitché une fois, pas deux. Ouais, ouais. T'as bien compris que ça a fonctionné une fois, mais pas deux. Ah, 506. Oui, bah oui, bah attaque en premier, bah oui, bah. Eh, tant qu'à faire le S. C'est KT. Quelles sont ses faiblesses?
Je pré-shot le soin sur Conker. Parce qu'on le connaît, lui, il aime trop mourir. Ah putain, quoi? Comment ça, one shot? Non, Conker qui rate l'invoque. Me tue pas. Ouais. Oh, la foudre, ça fait du dégât. Non, on en perd deux d'un coup. Oh, on peut perdre trois, mais oui, tant qu'à faire. Ah, faut se faire enculer. Mais wesh! Mais attends, mais je peux pas le battre. J'ai pas assez de points de vie. Il faut que j'ai au moins 1000 points de vie, là, je pense. Le problème, c'est que les mobs dans la grotte, apparemment, ils se multiplient. C'est que j'ai pas d'éther, ça existe pas dans ce jeu. Donc même si j'XP ici, je vais devoir quitter pour me remettre full magie et revenir. Après, ça rapporte 18 000 d'XP ici. Hein. Ouais, faut qu'on XP ici, tant pis. Hein. Mais bon, on va devoir faire des allers-retours. Après, j'ai le sort téléport. Non, il a raté. Ah, il se multiplie. Oh là 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 là. Attends, j'ai raté mon saut. J'ai même pas le temps de rentrer mon attaque, fils de pute! Ouah, 10 points de vie. Oh là 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 là, mais que c'est naze! Que c'est naze! Thank you.
Ouais, ça donne full XP, mais le problème c'est que bah. Le problème c'est que les mobs se multiplient en fait. Qui font très mal. Faut que je me tire. On me heal. Oh là 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 là. Quel enfer! Non, mais je peux pas faire le chemin inverse. Putain. Oh, ça pète les couilles. C'est vraiment le jeu est dur. Hein. Bordel. Mais le truc, c'est que je peux me heal ici, mais je peux pas. Enfin, je peux pas me. Je peux juste me reposer, quoi. C'est un peu éclaté. Ah ouais, c'est ça le problème. La merde. Enfin, c'est normal, ça serait trop cheat, mais bon. Putain, va falloir XP. XP.